arrête de charité là. C'est elle qui fait ça? Bien. De suite, on entend chanter. On s'est dit, tiens, on va ouvrir comme ça, on va encore mieux entendre chanter. Ah. Aïe. Bim. Trop tard. Donc déjà, elle m'envoie la porte dans la tête et ça me monte. Ah non, je veux prendre mon cachet. Bouge-moi de là. Je suis quand même nue. Il y a Mika à côté. Je te mets du déodorant dans les yeux, bouge de là. Pas folle, là. Allez, ouvre, je vais prendre mon cachet. Comme je pousse la porte, elle me coince la main. Donc de là, j'ai déraillé en fait. J'ai enlevé ma main. Arrête. Ah oui. Ah oui. Ah oui, baby. Ah oui. Ah oui. Je sors de la salle de bain. Je vois qu'elle commence à prendre toutes mes affaires et à les jeter par-dessus la rambarde de la chambre. Là, je me dis non, mais là, elle cherche vraiment la merde. Vas-y, vas-y, vas-y. Je prends ses affaires comme elle m'a fait. Elle fait pareil, je fais pareil. Ça continue, ça continue, ça continue. Il n'y a plus de communication, ça devient du n'importe quoi. Papa, tu es une malade, tu es une malade. Oh, j'adore. Oh là là, je suis dans la guerre, c'est la guerre. Je suis dans mon monde. Oh, énorme. Grandiose. Ah, je kiffe ça. J'ai un problème, j'adore les problèmes. Alors nous, en plus, on est un peu des prêtres. Parce qu'on prenait les affaires. Oh, ils sont nous qu'on les jeter. Oh, c'est pas beau, ils ont jeté les affaires. T'inquiète pas. J'ai pas fini, j'ai pas. Allez, dégage. Ça nous fait rire parce que c'est rien, c'est des petites histoires tranquilles, mais si ça se passe après tous les jours, c'est vrai que ça va vite nous faire chier. Je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est allé vite.